Vasilevski alors que Dubois était devant le gardien. Modèle qui revient à la Ligue bleue. Déplacement de Seth Jones. Jones revient de l'autre côté. Le tir et le but! Alexandre Texier! 1-0 Columbus! Par la rampe, Dubois tente de faire dévier. La rondelle qui revient maintenant le long de la rampe, c'est Panarin. Artemi Panarin. Glendening avec une passe, le tir, rate la cible, le retour et le but! Pierre-Luc Dubois! Et c'est maintenant 2-0 Columbus! Eh bien là, on prend les commandes de ce match assez rapidement pour Columbus. Vraiment, tout leur sourit en ce moment, d'un côté comme de l'autre. Dès qu'on récupère les rondelles au filet, ça fait partie de la mentalité. On a un petit peu de chance sur la séquence, mais excellent travail de la part de Dubois. Et là, je te parlais des meilleurs éléments. J'ai hâte de voir l'entraîneur également. Là, c'est Cirelli. Cirelli qui remet pour Kucherov. Laisse derrière à Stamkos. Belfin, Stamkos. Le tir et le but. Steven Stamkos. Son premier point de la série. Et c'est maintenant 2-1. Et ça, c'est le genre de situation vraiment où le Lightning va aller gagner en confiance. Tu as besoin de petits éléments, de l'adversité en début de rencontre. Il y a beaucoup de temps encore pour le Lightning de revenir. Regardez les joueurs des Jackets. On a voulu bien faire, mais les deux joueurs se commettent sur la patinoire. Werenski a réduit. Voilà, Atkinson avec un tir alors que Duchesne était devant. Duchesne qui reprend derrière le filet. Voilà, Panarin qui remet à Werenski. Le tir rate. Atkinson et le but. Cam Atkinson. On parle peut-être d'un hors-jeu. C'est ça qu'on va aller voir. Jeff Halpern qui à la droite. Determined after coach's challenge, the play was offside. Therefore, we have no goal. Il y a beaucoup de chance là, du côté des Blue Jackets. Voilà Ryan Dezingle avec Matt Duchesne. Duchesne remet pour Atkinson. Seth Jones, un tir et le but. Seth Jones, 3-1 Columbus. De récupérer la rondelle, c'est fait. Killorn perd le disque. Voilà Cédric Paquette. C'est repris par Killorn. Killorn rate son tir. Routa maintenant. De l'autre côté, Coburn avec un tir et le but. Braden Coburn. Est-ce que ça a été touché devant par Cédric Paquette? C'est 3-2. D'après sa réaction, je te dirais que oui. Parce qu'il est parti dans le coin seul avec beaucoup d'émotion. Encore 58 secondes à l'avantage numérique. C'est Kucherov. Stamkos maintenant. Stamkos à Braden Point. Point avec une belle feinte. Point. Le tir, le but. Braden Point. Voilà son premier point de la série. Et c'est l'égalité 3-3. C'est un moment à ça. C'est sûr et certain que ces joueurs éventuellement vont trouver une façon de te faire mal. Tu marques 40 buts en saison régulière. Il y a Pierre-Luc Dubois. Dubois qui remet à la ligne bleue. Voilà Glendening. Glendening. Panarin. Dubois. Dubois remet devant. La rondelle est libre. Et le but. Oliver Bjorkstrand, redonné devant aux Blue Jackets, c'est 4-3. Impressionné par ce qu'on a fait de la part de Columbus. Panarin a été très alerte, a donné la passe, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le défenseur qui est dans l'enclave. C'est Harrington qui se retrouve devant le filet, va gêner un petit peu le travail, la rondelle va le frapper. Et qui d'autre que Bjorkstrand qui connaît des séries incroyables pour en profiter et marquer un gros but. Bonne réponse. Derrière à pointe. Pointe avec une passe devant aux dirigeants au filet, c'était Routa. Kucherov maintenant remet à la ligne bleue. De l'autre côté, c'est JT Miller. Miller, fin de tir. Miller s'avance. Passe devant. Arrêt Bobrovski au départ de Braden Point. Il l'a frustré à plusieurs occasions ce soir, Braden Point. Même s'il est parvenu à le déjouer à une occasion, il y a deux fois. Une fois en deuxième. Attention du capitaine Foligno. De l'autre côté, maintenant, c'est Sergachev. Sergachev. Killorn. Killorn remet derrière le filet, c'est Joseph. Mathieu Joseph, le tir, arrêt! Bobrovski au départ. De... Il n'y a plus de gardien chez le Lightning. Anderson fait lever à territoire central. Anderson s'amène contre McDonough. Panarin maintenant. Et là, c'est une rondelle qui revient devant. Panarin, le tir et le but! Artemi Panarin et les Blue Jackets mènent 5-3. Première ronde des séries éliminatoires. Encore une fois, il n'y a plus de gardien. Ça revient à territoire central. Texier, Alexandre Texier. Et la recrue de Grenoble en France marque son deuxième but du match. Duchesne maintenant qui va d'un dégagement. La rondelle qui va rouler. C'est un autre but dans un filet désert. Pourquoi pas? Et j'ai aimé ça et vraiment, ils l'ont fait de belle façon. Le Lightning de Tampa Bay, 128 points, 62 victoires, éliminé, balayé en première ronde par les Blue Jackets de Columbus.
Fameuse poignée de main. Des ajustements de la part de Columbus. Souviens-toi, on avait changé également. Tu avais Dubois qui évoluait avec Panarin Atkinson. Retour de deuxième période. On a vu Duchesne s'amener avec Atkinson des Ingles. L'offensive a débloqué. Tellement de moments importants. Et même si Bobrovsky, ce soir, s'est trop bien accordé, les arrêts importants dans les moments importants, il a été là. Et pour la première fois du printemps, les poignées de main. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui avaient prédit que le Lightning serait la première équipe à se retrouver en vacances. La plupart les choisissaient comme favoris pour gagner la Coupe Stanley. Lightning qui sont éliminés. C'est la première fois, on vous le rappelle, qu'une équipe qui termine au premier rang gagne le trophée des présidents et balayée en première ronde. C'est impensable. Moi, je croyais que Columbus allait donner du fil à retordre au Lightning, mais de là à contrôler cette série, à prendre le contrôle, vraiment à effacer en quelque sorte cette offensive qui a été si dominante en saison régulière. Il y a un point cependant, Columbus c'était la deuxième équipe la moins punie de la Ligue nationale. Je pense que ça leur a bien servi face à Tampa Bay. Tampa Bay n'a pas été en mesure de marquer. Et leur désavantage numérique, quand ils ont eu une pénalité, c'était égalité avec le Lightning également. Donc, c'était peut-être une situation, en quelque sorte, qui a été merveilleuse pour les Jackets. Les Blue Jackets ont donné un jeu de puissance lors des deux derniers matchs au Lightning. Seulement un ce soir, aucun lors du dernier match. Et c'est pas comme si on n'était pas impliqués, si on ne terminait pas nos mises en échec. C'est qu'on l'a fait de belle façon. Regardez les deux compatriotes. Bobrovsky finalement va se retrouver lui en deuxième ronde des séries éliminatoires. Alors beau moment entre Bobrovsky et Vasilevski. Alors les Blue Jackets causent la surprise de cette première ronde. Ils éliminent le Lightning de Tampa Bay en quatre matchs.